Bonsoir. Hello. Hi Instagram. How are you? Bonjour, bonsoir, bonsoir. Ok. I welcome you. Comment vous allez? Hi Instagram. Whilst they're logging in on Facebook, let me just have a few words with you. I've been talking about the chosen ones, and you know what? If you've been watching me talking a lot, I'm talking about the chosen people, and I'm taking my time because before I find my purpose. Hi. Bonsoir. Vous savez quoi? Permettez que je parle pour 10 minutes comme ça en anglais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en anglais. Okay. Before I find my purpose, I was all the time, I was looking for somebody to tell me why I was born, and it was quite difficult because people would always come to criticize, direct, or try to show you that they know what you're supposed to do. So at some point, God challenged me. You know my voice, you know what I told you to do, and basically you need to start doing it. So you're gonna notice that I've been posting a lot. Okay, I was quiet for like 8 months, but now I started posting a lot because chosen people are criticized all over the world, and as gifted people, we have an inner calling, a voice inside of us that tells us what to do. And somehow, when people will look at you from the outside, they know that they cannot match you, so they will try to intimidate you. And sometimes God just allowed me to see certain people that I met in my life, and 10 or 5 years later, I meet them and they tell me, you know what, I've always been jealous of you. And I'm like, je vais parler en français, vous avez compris, non? Je vais parler en français, donnez-moi 10 minutes. And I'm like, but you never told me. All the time you always bullied me. You treated me like I was nothing. And I didn't know that you were doing it because you were intimidated by my personality. And I was like, I wish somebody told me 5 years ago that I was worth it, So my mission, part of my mission has been to help chosen people, the chosen ones, to know who they are. Because chosen people have access, direct access to God, direct access to the throne of God. Because most of us, we have a pure heart. When we do our things, whatever we're doing, we do it with a clean conscience. And some people, I call them Decepticons, they come, and when they meet you, whether it's a boyfriend, a girlfriend, a brother, sometimes you may have a cousin, they don't like you. They actually don't like you. And they are intimidated by you. Hello, Facebook. Hi. I'm coming, okay? Give me 10 minutes. Now 8 minutes. Give me 8 minutes. I'm just finishing with Instagram. So you're gonna have, maybe you're listening to me and you are in a period of your life where you're facing adversity. And sometimes people will come when they see you are thriving. What you started is actually going well. They will come and they say, oh, you know what? I think I know how you should manage your business. And I'm like, you were not there when I started. When I was struggling, you were not there. Hi. Hello. Je parle en français dans 7 minutes. You were not there when I was struggling. You were not there when God spoke to me. You were not there when He directed me. Merci pour les compliments. Merci. So, how can you come now and you tell me that you know how I should direct what God told me to do? This is why you have to arm yourself. You have to brace yourself with stories. Steve Jobs, how many years was that man misunderstood? Because he had an idea. He had a dream. He was kicked out of his own society, his own company that he built. And they called him further down the road. So you have to know that they're watching you. They think they know better than what you're doing. So you need to start acting as if you just heard from the throne of God. Because you actually heard from God. You heard from God. You heard from God. When I stand here every evening, I'm like, God sent me to do this in your life. I'm not joking. This is not play for me. My whole life is happening here. I want you to come out of this video. It's true, it's short, but I want you to get from me tonight that you're worth it. Second, you're connected to God. Third, you have a mission. And I decree tonight that you will fulfill your mission. Whatever the discouragement that you went through, I cancel the impact on your mind. In the name of Jesus. Amen. So maybe you're new here. You can subscribe to my channel. And I will talk to you soon. Ok, bonjour, comment vous allez? Nadine? Ok. Merci. Non, je voulais savoir si c'est toi, vraiment. Parce que je savais pas qui c'est. Merci. Comment tu vas faire pour la porte? Ferme le cadenas alors. Fais semblant de fermer le cadenas. Et puis tu laisses juste la clé ici. Bonsoir, comment vous allez? Vous savez, on subit tellement de choses, tellement d'adversités. Et parfois, on ne sait même pas. Parfois, on doute même de qui nous a appelés. Et ces gens vont commencer à venir vers vous quand ils vont sentir. Donc, c'est comme si dans le spirituel, ils vont commencer à sentir que elle sait déjà qui elle est. Parfois, ces gens vont venir vers vous. Oui, je comprends ta vision, j'adhère à ta vision. Faites très attention quand on vous complimente. Faites très attention quand on vous complimente. Parce que la même bouche qui te complimente là, ça a ouvert la porte. Demain, ça va venir pour te critiquer. Donc, on va prier. Éternel des armées, merci parce que tu nous as donné le souffle une fois de plus aujourd'hui. Merci. Ouh. Merci parce que tu t'es occupé de nous pendant la nuit. Tu nous as donné à manger aujourd'hui. Tu as confirmé l'appel que tu avais sur notre vie. Nous venons te confier ce message, ce que nous allons, ce qui va être dit ici. Nous demandons la clarté, que ce ne soit pas du temps perdu pour tes enfants, qu'ils reçoivent. Je déclare aussi que la direction que tu leur as donnée leur est confirmée. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bonsoir. La reine Domgué, bonsoir. La reine Rousseille, bonsoir. Comment vous allez? Quand quelqu'un te voit, il te dit « Oh, tu es belle. » Je dis « Ah, donc je n'étais pas belle avant. » Tu me vois, là, depuis là que tu me vois, tu ne me dis pas que je suis laide. C'est le jour où je deviens belle. Vous imaginez, je deviens belle. Ok. Moi, mes vidéos sont particulières. Je ne sais pas s'il y a deux pages comme la mienne sur Facebook. I'm not your common girl. Je ne suis pas la fille que vous rencontrez dans la rue. Vous allez me dire pendant longtemps que ne dis pas ça, ne fais pas ça. Je sais ce que Dieu m'a dit de venir dire ici. Là. Le truc, c'est que quand tu commences à trop permettre que les gens viennent parler dans ta vie, après ça se gâte. Ça fait comme la sauce, ça se gâte. Et quand ça se gâte, ça sent. Ce sont les mêmes personnes là qui sont venues te critiquer, qui vont encore aller rire. Un choisi est très inspiré. Un choisi a la direction divine. Un choisi se lève comme s'il connaît ce qu'il doit faire. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Vous voulez tricher ma coiffure. C'est vraiment très très simple. Merci pour le compliment. Fayette, tu dis que ton aura, mon aura arrive. Tu te sens léger. Gloire à Dieu. Vous ne connaissez pas les combats. Mais quand je les traverse, je sais toujours que je vais avoir la victoire. Je vois pourquoi. Maintenant que vous avez commencé à m'écouter, vous allez commencer à avoir confiance en vous. Vous allez avoir les gens qui vont venir. Ils vont commencer. Bonsoir le roi Tabengo, bonsoir la reine Luce. Merci pour les compliments. Ils vont venir vers vous, ils vont commencer à vous dire « Je pense que tu devrais faire comme ça. Je pense que tu devrais faire comme ça. Je pense que tu devrais faire comme ça. » Et parfois, c'est les gens que vous estimez. Ce que Dieu vous a dit de faire, vous devez le faire. Qu'il y ait de la population ou qu'il n'y ait pas. Il y a des jours, je me suis mise ici pour faire le direct, j'avais 2 personnes qui regardaient. Parfois, j'avais 10 vues. Mais je savais ce que... Et pour vous dire quoi, vous savez, l'autre jour, je suis restée, j'ai vu le thème des choisis. Like, le Seigneur m'a rappelé en 2016, quand il m'a donné l'appel-ci. Dieu m'avait déjà donné la vision des choisis en 2016. Cette vision a dû être testée parce que j'ai dû traverser les phases où il fallait que j'essaye de devenir comme telle personne, que j'essaye de faire comme telle personne, que j'essaye de faire comme telle personne. Pourquoi à la fin, je laisse toutes ces personnes et que je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit vraiment pour moi? Je disais tout à l'heure, juste en passant les annonces, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Donnez-moi un pouce comme ça. J'ai commencé une sorte d'enseignement de la parole. Je ne vais pas appeler une école biblique, mais j'apprends aux gens à lire la Bible. J'ai commencé ça aujourd'hui. Moi, mes choses, quand Dieu me parle, je fais. Si vous n'êtes pas dans le groupe, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé par ça. Allez, je disais tout à l'heure que je ne veux pas les... Tu vas donner le devoir, tu vas dire, lisez tel chapitre, les gens ne vont pas lire. Et ça ne sert à rien qu'on puisse donner des perles si vous n'êtes pas... Si vous faites comme des cochons, en fait. Bonsoir, la reine Anne-Flore. La reine Gédéon, Germaine, bonsoir. Donc, il y a des programmes. Hier, je vous ai parlé d'un programme sur les fondations. Je vous ai parlé du livre, tout ça. Ok. Merci d'avoir partagé ma vidéo. Donc, on continue. Il y a des choses que Dieu a mis dans votre cœur. Il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 10 ans. Mais le problème, c'est que vous étiez en ligne. Donc, vous observiez beaucoup de personnes. Vous voyez tel coach. Vous voyez tel orateur. Où est telle personne? Et quand vous les voyez, ils parlent tellement bien. Vous vous dites... Même moi, quand vous me voyez, C'est pour ça que je ne me casse pas. Il y a des périodes que si elle veut me mettre vraiment là, si elle veut me tuner là, je vais bien me tuner. Je n'ai pas, j'ai pas besoin d'impressionner les gens. Et il y a tellement de personnes qui sont tellement brisées que quand tu arrives, c'est pas le décor qui les intéresse. Quand Dieu m'a appelé il y a quelques années, j'ai dit, mais Seigneur, regarde-moi. J'ai voulu faire comme Moïse. Je n'ai rien, je ne suis rien, je... Bonsoir la reine Mecca. Comme Gédéon. Il me dit, c'est ma main à travers toi qui va révéler aux gens que je suis qui je suis. Pour accomplir votre mission de vie, il y a des choses dont vous n'avez pas besoin de faire certaines acrobaties. J'attends d'abord de prendre le diplôme dans telle école de coaching. J'attends d'abord de quitter avec toutes vos choses là. Bonsoir la reine Rosa. Il y a la reine galloise qui me plaît beaucoup. Parce que la femme là, ce que tu vois avec elle, c'est ce que tu as. What you see is what you get. Et quand elle veut vraiment dire qu'elle va se... Il y a certaines de ces photos que tu ne sais même pas que c'est elle. Vous, toutes les autres femmes qui la regardez tous les jours, là, vous attendez quoi? Ah, moi, elle ne veut pas me mettre à on va voir mon ventre. Hé, hey, j'ai les beaux relais. Tu vois qui va venir regarder tes beaux relais? Bonsoir, la reine Nago. Oh, je n'ai pas les papiers. Comme je suis sur la vidéo, c'est là. Vous savez si j'ai les papiers ou pas? En fait, toutes les excuses que vous vous donnez. Oui, la reine Gallo, c'est une choisie. Je me rappelle encore, ça fait 2 ans, je la suivais, je suis tombée sur sa page comme ça là. Elle était dans son salon comme ça, là, elle faisait les vidéos. Elle faisait les vidéos. J'avais juste aimé sa simplicité. C'était quelque chose qui m'a captivée chez elle. Sa simplicité. Elle a fini avec la honte. Pour tout que vous dites que honte de ceci là, pardon. Il y en a, comme elle est là, parmi les gens qui me regardent, il y a, vous êtes nombreux ici. Dieu a mis quelque chose dans votre cœur. Mais vous laissez. Bonsoir la reine Elodie. Bonsoir Laure, la reine Laure. Bonsoir le roi Feuillot. Bonsoir la reine Queen. Et vous allez voir, moi je vais d'abord, je vais d'abord. Quand tu comprends ton appel, c'est ton cœur qui te parle. Jacques, elle a souffert sur ses enfants. Elle s'est dit, mais attends un peu, je souffre, je suis en Europe, là où j'ai toutes les infrastructures. Imaginez alors en Afrique, au Cameroun. Bonsoir Georgette. Ouais, je suis jolie ce soir. C'est comme ça que je suis. Voilà ma beauté, voilà ma beauté. Me voilà. Je ne me suis même pas maquillée. Je ne me suis pas encore maquillée. Et la soirée va apparaître ici avec le make-up. Le genre que vous allez seulement croire que je suis partie louer une femme pour qu'elle vienne parler ici. Mais ce n'est pas la priorité pour moi. Je ne crois pas que quand tu veux exorciser quelqu'un, le démon voit ton make-up. Il dit, ouais, il sort, il part. Non. Moi-même, c'est là. Sa souffrance qu'elle a vécue sur ses enfants, elle s'est dit, il y a des gens quelque part. Pour pouvoir utiliser ta mission, découvrir ta mission et aider les gens, tu vas devoir sortir de ton histoire. Tu vas sortir de ton histoire, de ta petite personne. Vous êtes trop focus sur vous. Je. Peut-être que tu es arrivé en Europe. Pour avoir tes papiers, ça t'a pris 15 ans. Tu connais tous les rouages de l'Europe. Tu peux faire ta page où tu es. Tu fais une association où tu aides les jeunes. Car avant de quitter du pays, faites d'abord ça. Faites telle formation. Apprenez à faire ça. Apprenez même telle langue si vous voulez venir dans tel pays. Il y a des gens qui sont arrivés en en Angleterre, ils ont été bloqués pour le travail parce qu'ils n'avaient pas appris la langue anglaise. Et un an qu'on leur donne, ce n'est pas assez. Même la langue allemande. Bonsoir Monica, la reine dengue, bonsoir. Il y a beaucoup. Vous devez toujours vous dire, quel est le cri de mon cœur? Quand je regarde les gens autour de moi, ce que je fais aujourd'hui, si ça a commencé parce qu'ils voulaient aider les gens. J'ai fait 9 ans en Angleterre. Les Camerounais venaient en vrac, ils viennent, ils ne connaissent pas parler l'anglais. Même coiffer, les filles ne connaissent pas coiffer. Tu la vois après 1, 2, 3, 4 mois. Dès que ses papiers finissent après un an comme ça, là, elle prend les sosongo. Bien sûr, elle va se prostituer. Ça me faisait mal. Après, en 2018, il y a la fête des gens qui tombaient dans le désert là-bas. Ils tombaient dans l'eau, ils mouraient. Est-ce que vous connaissez même dans quoi vous venez ici en paix? Ceux qui me suivaient sur ma page personnelle, je faisais beaucoup de directs où j'interviewais les gens. J'avais les beaux-arts qui venaient dans mes directs, ils parlaient de leur histoire. Merci beaucoup la reine Tchana. Bonsoir la reine Mandjak. Je parlais, j'ai dit que les gens appelaient dans mes directs, ils parlaient. Ils disent comment il est arrivé, il a tapé même 9 mois. C'est après 9 mois qu'on a même donné une petite carte avec laquelle il peut aller manger. Il a galéré en Europe. Et il a dit que ce soir, comme tu vois là, je suis maintenant je suis mariée avec une fille, je vis avec elle pour les papiers. Il dit oh, que je vis pour les papiers. Les choses comme ça, ça me faisait mal, ça fendait mon cœur. Il dit que vous courez, vous voulez seulement venir en Angleterre, vous connaissez comment l'Angleterre est dure. Tu arrives, tu es bloqué ici, là, 10 ans, tu n'es pas parti quelque part. En France, vous pouvez même partir en Belgique, vous pouvez partir en Italie, vous vous baladez un peu. Bonsoir la reine Bongo, comment tu vas? La reine Ange, bonsoir. Et il y a beaucoup de situations que vous vivez là-bas. Le truc, c'est que tu dois d'abord t'oublier toi-même. Ceux qui font dans le social, genre tu veux aider les gens. Tu dois d'abord t'oublier. Comme vous voyez là, vous savez que si c'était que c'était mes cheveux gâtés là qui étaient là, je viens avec. Si je vais parler, vous n'avez pas écouté. C'est que vous n'étiez pas ma personne. Mais si le message que j'ai va vous sortir de votre trou, vous allez écouter. Et ça va vous aider. Bonsoir, Ab. Sortez de votre corps, sortez de votre personnalité. Peut-être vous avez des difficultés avec vos enfants. Maintenant, vos enfants ont 23, 25 ans. Vous savez comment c'est dur d'élever un enfant en Europe. Faites une page. Parlez aux gens. Parlez aux parents que leurs enfants ont encore 3-4 ans. Lorsque tu fais tout, tu obéis, tu paies tes dîmes, tes offrandes. Tu es bien debout sur la parole. Tu as toute la foi de la terre, mais toujours bloqué. Tu fais quoi? Moi, je dirais, si quelqu'un est dans ce cas, je pense que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire en tant que mission de vie. Quand tu es dans ta mission de vie, il y a l'onction dedans. La reine Galose que vous voyez là, vous ne pouvez pas la toucher. Si un jour ça se fait, vous dit les attaques qu'elle a eues, les décepticons qu'elle a traversés, que les gens qui la inbox, même les menteurs, les qualités, les gens sont venus lui dire que je peux faire comme ça, plutôt faire comme ça. Mais là où elle allait les protéger, quand elle me met souvent devant vous, elle lui dit que là, moi je suis là. Ça là, l'autre, cela, je suis intouchable. Quand tu es dans ta mission, le fait que tu sois dans ta mission, déjà, ça te protège. C'est comme un cocoon. Merci la reine Meillon. C'est comme un cocoon qui te protège. Et parfois, beaucoup d'entre vous, vous connaissez votre mission. Mais, vous vous dites, qu'est-ce que je vais dire si les gens me voient dans ça? Moi, avant qu'elle fasse ça là, j'aimais les belles voitures. Vous connaissez les choses que vous aimiez. J'aime toujours les belles voitures. Parce que j'aime toujours. Mais ça n'a plus la priorité dans ma vie. Si je sais que je dois, j'ai besoin de tel appareil qui va me permettre d'enregistrer ça, qui va aider telle personne. Au lieu de prendre de l'argent, je mets sur mes habits. Je vais prendre, je vais acheter l'appareil. Donc, si tu fais payer ta dîme, tu fais tout cela, tu es sur la parole, mais tu es encore bloqué. C'est que tu n'es pas dans, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Et l'autre là, c'est le vrai challenge. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à faire des orphelinats ici au Cameroun. Mais vous êtes encore en Europe. Vous faites quoi en Europe? Ah, j'ai peur du pays. Ah, on m'a allé escroquer là-bas 3 fois. Hé, hey. Non, non, non. Moi, on m'a allé escroquer. Pardon, partagez mon direct. Bonsoir à la reine cousine. On m'a allé trop escroquer. Moi, je ne peux pas venir au Cameroun comme ça. Hé, hey. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront rien contre vous. À un moment, je me suis décidé que je vais croire la parole. Je vais croire. Ça veut dire que je me mets devant quelqu'un qui me dit qu'il est sorcier. Puisqu'il sait qu'il est sorcier, il voit. Je me rappelle que le Seigneur a dit que s'il met ma confiance en lui, il va me protéger. C'est tout, hein. Je me mets devant la personne comme ça, là, je parle. La personne, un jour, il y a une de ces petites connes comme ça, là. En me faisant leur mal, il me dit que tu es trop insolente. Je dis que je suis insolente comment? Tu es insolente. Je me suis mis devant, je dis que Dieu m'a appelé. Même les enfants qui ne parlent pas bien, la langue collée là. J'ai un professeur d'oratoire qui tient ces enfants-là. Il te prend un enfant comme ça, là, en 2 semaines, l'enfant commence à changer la confiance en lui. Il commence à un peu parler et tout ça là. Il y a le genre de travail que quand tu fais, même les anges sont de ton côté. Je pensais à l'histoire de cette dame et je disais, il faut que je l'interviewe. Il y a l'orphelinat que je vous parle beaucoup de cet orphelinat au cœur de Jésus. Le jour, la femme qui a l'orphelinat m'a parlé de son histoire. Je suis assise, elle est regardée. Elle a peut-être 43, 45 ans. Elle a 3 enfants. L'année passée, quand le corona a frappé, je m'asseyais, je partais là-bas. J'enseignais les enfants sur la vision. On allait en ligne, on regardait la Tour Eiffel, on regardait des choses comme ça là. Si elle fait tout ça par imitation pour chercher la grâce de Dieu, lis les cœurs. Ok. Bon, maintenant, un jour je m'assois avec elle, elle me raconte son histoire. Elle me dit, le père de ses enfants, je crois qu'elle doit avoir 2 pères d'enfants. Et elle s'est séparée de lui. Donc en 2000, avant qu'elle ne lance l'orphelinat, elle sortait avec un de mes monsieur. Et elle partait à l'église, mais tous les samedis, elle préparait la nourriture. Elle partait dans un orphelinat donné. Donc c'était sa mission qu'elle s'était donnée. Elle n'avait pas un boulot, elle travaillait dans une petite coopérative, là, non, les petites multinationales, là, dont le salaire n'était pas vraiment ça. Tous les samedis, elle préparait. Elle portait la nourriture, elle met dans la voiture. Le taxi, elle partait. Et pour elle, c'était devenu comme une mission. Et en allant, elle sortait avec le gars. Un jour maintenant, elle dit au gars qu'elle veut ouvrir l'orphelinat. Voilà. Le gars lui dit que pardon, que je t'ai dit de laisser tes affaires des enfants que tu nourris chaque jour là. Je veux qu'on fasse telle chose ensemble. Elle a dit jamais. Elle a quitté le monsieur. Elle était déjà âgée, hein, parce que c'est dans 45 ans. Et ça fait peut-être 4 ans qu'elle a ouvert l'orphelinat. Bonsoir Thomas. Thomas, tu m'as écrit combien de fois? Tu as écrit seulement une fois, tu m'as dit que tu te salues. Thomas, pas moi. Pour moi, ça veut dire, non, t'amuses pas. Donc là, voilà, bonsoir, Fly. Fly. Elle quitte le monsieur. Et quand elle quitte comme ça, elle a la foi qu'elle va... Elle donne toujours la nourriture le samedi, mais elle a la foi qu'elle va ouvrir son orphelinat. Le monsieur, maintenant, chagrin d'amour, déception, il fait ses papiers, pas en Europe. Je ne sais pas quel pays précisément. Et quelques mois plus tard, il est un jour au bar avec son ami comme ça là. Il prend le téléphone, il appelle la maman de cette orphelinat, elle s'appelle maman Nathalie. Enfin, très bon cœur. Il appelle, non, il commence à lui parler, oui, bonsoir, oui. Après, il dit que voici même mon ami, là. Il montre son ami, que tu vois la femme, c'est... Regarde, elle m'a quitté quand elle est au pays, parce qu'elle était au l'orphelinat. Il est ne savait pas qu'il a connecté comme ça au financeur de son projet. Le monsieur a dit que je vais prendre ton numéro, que je suis au pays dans quelques temps, là, peut-être 2-3 semaines. Je vais te chercher. Il prend le numéro. Il arrive au pays peut-être 3-4 semaines après. Il la contacte. Il a payé 6 mois de loyer dans l'endroit où il y avait les enfants. Et elle dit que là où elle était le temps là, elle ne voyait pas là où elle pouvait prendre de l'argent pour faire 6 mois de loyer quelque part. Il a payé. Elle a ouvert. Donc, une fois qu'elle a payé, bon, les matelas, c'est quand même, les gens ont commencé à donner, donner, donner. Elle a commencé au départ, quand elle a commencé le projet, ils étaient 3. Parce que pour ouvrir l'association au Cameroun, il faut être 3. Et après, bon, les autres ont battu, fait autre chose, ils l'ont laissé dans le projet. Mais elle a tenu. Pendant 1 ou 2 ans, elle gérait l'orphelinat et elle travaillait. Il a ouvert comme ça là. Elle avait là le local. On a commencé à lui donner les enfants. Donner, 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 donner. Quand tu parles à la femme là, elle est d'abord épanouie. Épanouie jusqu'à... Il y en a parmi vous, oh Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux le mariage. Alors que tu es mère même de 50 enfants que tu as me donner là-bas dehors. Mais comme tu veux prouver quelque chose aux gens, je parle maintenant, si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Comme tu veux prouver aux gens que vous allez voir, Dieu te met à cœur, il te donne les opportunités. Tu veux venir au pays à 6 mois. Tu avais l'opportunité de lancer quelque chose ou bien de sponsoriser même 5 enfants dans l'orphelinat. Non, je veux d'abord mon mari. Je veux d'abord ma part d'enfant. Et comme elle me dit là, elle me dit, comme ça fait 3 ans qu'elle a ouvert l'orphelinat, elle me dit que chaque rentrée, imaginez chaque rentrée, si la pension seulement c'est 50 000 par enfant, avec les fournitures. « 50 fois 22, parfois elle a 22, parfois elle a 25 enfants. Peut-être 50 fois 25. Vous voyez combien elle a besoin d'argent. Mais elle dit que le Seigneur se pointe toujours. C'est pour ça que quand Dieu vous met à cœur, que donner dans un orphelinat, tu ne donnes pas, quelqu'un d'autre va te donner. Parce que Dieu a prévu que les enfants là soient nourris. Il te met à cœur, va là-bas enseigner, va là-bas faire le bénévolat. Ne pars pas, quelqu'un d'autre va partir. Va au Cameroun, tu ouvres l'orphelinat ou bien le centre social pour les enfants. Pour les femmes qui ont été violées. Ce n'est pas avec ton argent que Dieu va faire. Tu penses vraiment que tes petits 10 000 euros que tu as gardés là, ça va tout payer pendant 5 ans? Dieu a besoin de ta foi. Merci pour les compliments. Dieu a besoin de ta foi. Et la foi là va demander que tu te lèves. Tu pars et tu dis que je suis venu au Cameroun pour ouvrir l'orphelinat. On va te décourager. Oh, tu ne peux pas ouvrir. Hein, tu sais, même que tu connais le Cameroun. Tu vas voir, tu vas lire l'heure. Les gens vont venir mettre les enfants chez toi pour te manger l'argent. Les gens, on va tout te dire. Mettez votre cœur dedans. Mettez la pureté de votre cœur dans ce que vous faites. Le tout, c'est que quand on regarde les choisis, on dit qu'ils sont bêtes. Ce n'est pas vous qui combattez vos combats. Quand tu es dans ton plan, tu deviens ton défenseur. Quand tu es dans le plan de Dieu, c'est lui qui est ton défenseur. Et il répond même dans les endroits que toi tu pouvais pas imaginer. Il répond dans les endroits que toi-même, donc, si on te donnait même 50 ans, on dit que tu penses que Dieu t'a défendu où? Ok, je pense qu'il m'a défendu dans tel endroit, quand ils avaient essayé de faire ça sur moi. Comme parfois, parfois Dieu permet que les gens viennent me dire. Parfois, il permet peut-être qu'un témoignage arrive dans tes oreilles. Que tu comprennes que comme tu es en train de faire le travail de Dieu là, lui-même il est en train de s'élever. Exode chapitre 3. J'ai lu ça aujourd'hui. Quand j'enseignais le groupe sur les gens qui font l'étude biblique là. Dieu parle à Moïse. Il dit, j'ai vu l'affliction de mes enfants. Merci pour les cœurs. Olivia, bonsoir. La reine Dora, bonsoir. J'ai vu leur affliction, j'ai vu leur douleur. Je suis descendu pour les sauver. Et il dit à Moïse que je suis venu à travers toi. Tu crois que Moïse n'avait pas peur de Pharaon? Il connaissait que ce Pharaon allait le massacrer. Dès qu'il entre dans le pays, premier rendez-vous qu'il cherche, il va aller voir le Pharaon. Prenez-moi le rendez-vous, je vais aller voir le Pharaon. Alors qu'il sait comment il s'était échappé, ça fait 40 ans. Vous devez croire. Pourquoi je crois, ça veut dire que je suis en train de faire. Je ne peux pas dire que je crois en Dieu si je ne fais pas ce que Dieu veut. Et la volonté de Dieu n'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Certains d'entre vous êtes dans certains pays. Tu es au Pakistan, tu es en Israël, tu es au Kazakhstan. Parce que quelqu'un t'avait dit que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Tu es parti. Tu étais fatigué de souffrir. Maintenant, ouvre la porte, demande à Dieu de venir s'asseoir à côté de toi ou derrière toi. Tu vas voir que même si tu souffres, souvent il reste comme ça et dit que mince. Avant, quand j'étais avec les Decepticons, j'avais des jours où je restais comme ça, j'avais mal au cœur, j'étais affligée, j'étais ceci. Merci Yanis. Comment tu vas Yanis? Yanis, tu trouves que je suis bien habillée? T'as du goût, toi? Oh! Bonsoir, Yanis. Je vais vous lire le verset, alors. Exode, chapitre 3. Dieu vient faire quelque chose sur la terre à travers vous. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple camerounais. » qui est en Égypte, qui est en Bénin. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs, car je connais ces douleurs. J'aime personnaliser la Bible. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu ne te sort jamais de la prison, de la pauvreté, pour te laisser comme ça. Il te sort toujours de quelque chose pour t'amener dans la bonté, dans le miel et le lait, dans l'abondance. C'est pour ça que toi, tant que tu n'es pas arrivé, tu dis Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Seigneur, tu m'as promis, c'est pas ça que tu m'as promis, Seigneur. Tu ne m'as pas promis un Decepticon comme ça, là, non. Tu ne m'as pas promis un business qui ne marche pas. Tu as dit l'abondance. Et vous allez voir le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Je rappelle que Moïse de son vivant n'avait jamais vu. Il est né dans l'esclavage. Il a grandi dans l'esclavage. Il n'a jamais vu son peuple hors de l'esclavage. Dieu lui dit que à travers toi, je vais les sortir de l'esclavage. Vous croyez que c'est facile pour lui de croire? Parce que souvent, vous aimez trop les choses que... Oui, je veux faire comme Coach Sonia. Je veux faire comme Lady Kilao. Lady Sonia, oui. Je veux faire comme telle personne. T'as pas là. C'est seul. C'est le Jacques. On n'a pas encore vu. Et Dieu passe par toi. Quand je me suis tellement lamentée sur les Camerounais, lamentée. Dieu me dit que c'est toi, parle. Souvent, ils voient les Camerounais en Europe comme ça, ils ont beaucoup de talent. Ils ne font rien. Parfois, tu vois une femme à la maison, elle dit qu'elle attend les papiers. Et son mari lui fait ça dur. C'est comme s'il retient le home office. Pourquoi on ne donne pas ses papiers? Parce qu'il sait que celle-là, les papiers vont partir. Donc, il la bloque. C'est pour ça que ses talents meurent. Ça meurt. Croire, oser. Croire et agir même. Oser là, quand je dis oser, ça veut dire que tu essayes pour voir comment ça donne. Croire et agir. J'enlèverai même croire et oser là, je mettrai juste agir. J'aime l'action. J'aime, je suis faiseuse, j'aime faire. J'aime quand on fait les choses, j'aime pas les paroles. Je n'aime pas. Tu vois, je vais faire ça, je vais changer ta vie. Décepticon ne parle pas, faire. Il y a les gars que dès que la jeune fille arrive en Europe comme ça, il vient, il commence à trémousser son bordeaux devant la fille. Il sait qu'on va dire à la fille qu'il faut qu'elle fasse l'enfant avec quelqu'un qui a le bordeaux. C'est fini. Hein? Même mettre son nom sur l'acte là, il ne va pas mettre. Parce qu'il veut te freiner. Bonsoir Serge, le roi Serge. Bonsoir la reine Béatrice. Parce qu'il veut te freiner. Vous devez croire en Dieu, ça veut dire que si je me suis vue en tant que speaker, oratrice, coach, motivatrice, formatrice, formateur, je dois pouvoir donner une opportunité à Dieu de réaliser ça dans ma vie. Seigneur, je crois. Quand tu agis avec ce que Dieu t'a montré à l'intérieur, ça donne le résultat. On a tous une vision. Et votre vision doit être... Vous devez calibrer volontairement votre vision. Ne regardez pas n'importe quoi. Bonsoir la reine Carole et la reine Bénie. Ne regardez pas n'importe quoi. À la fin de ce que j'ai écouté, quelle est l'action que je vais poser? Vous pouvez vous pointer dans mon direct chaque soir, vous me regardez. Après vous sortez. Vous faites ça pendant un an, votre vie ne change pas. Vous tous ce qui est là, vous me regardez, vous êtes que les nouveaux. Tous là. J'ai peut-être maximum 5 personnes, les anciennes personnes qui étaient sur mon page avant. Donc si vous écoutez, vous ne faites rien. Vous avez encore parti. Maintenant, nous sommes dans l'ère du digital. Et en ligne, tout peut donner l'argent. Tout. Literally everything. Everything can give you money. Je connais faire le congrès. J'apprends à faire le congrès. Je connais m'habiller. J'apprends à s'habiller. Je connais faire les sourcils moi-même à la maison. J'apprends à faire le sourcil à la maison. Et il y en a parmi vous, vous avez été dans beaucoup de sociétés, vous avez travaillé dans beaucoup d'entreprises. Donc vous avez appris beaucoup de choses dans le corporate. Vous avez beaucoup d'expérience. Maintenant là, transformez cela en programme. Offrez aux gens. Il y en a parmi vous là, même pour voir 500 euros par mois, c'est dur. Alors qu'il y a des gens qui se font 500 euros chaque jour en ligne. Chaque jour. Bonsoir Steph. Et pour vous, c'est... Quand l'ennemi détruit votre vision, hein, il fait le genre que tu ne te vois même pas. Tu ne te vois même pas en train de faire quelque chose. Tu ne te vois même pas en train de... Même si tu fais le programme, tu te dis qui va acheter. Tu fais le programme, après tu laisses ça dans ton ordinateur, tu ne mets jamais en ligne. L'ennemi attaque beaucoup la vision. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Beaucoup. Merci Goulag. Comment tu vas, Reine Goulag? Parce qu'il sait que si elle touche ta vision, tu ne vas rien faire. Quand tu vas rester, on va te dire, ah, waouh, tu sais faire ça, waouh, comment tu te maquilles, c'est bien comme ça là. Ah, j'ai appris sur YouTube. Montre-moi, non. Vous avez tellement de choses qu'on veut faire. Comment tu fais tes beignets? Ah, moi j'ai appris comme ça, non, j'ai appris seulement. Montre-moi comment tu fais tes beignets. Tout. Avant, quand un noir se mariait avec une blanche, elle pouvait galérer. Parce que c'est que pour apprendre à sa nourriture, il faut qu'elle parte au village. Maintenant, la femme est aux États-Unis, elle part en ligne, elle apprend à faire le tarot, elle apprend tout. Elle utilise les réseaux sociaux. Vous-même, vous êtes là sur les réseaux chaque jour. Les réseaux, ce n'est pas seulement pour les clashs. C'est pas seulement pour les clashs. Et vous devez croire que Dieu veut que vous prospériez. On vous a tellement prêché depuis 10 ans. Non, attends, le Seigneur n'aime pas trop l'argent. Il fait que quand tu te vois un peu avec 50 000 euros dans ton compte, et tu te réveilles, tu dis, hey, arrête de moi, Satan. Arrête de moi. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas arriver. You cannot get there. Impossible. Même si tu arrives là-bas par hasard, tu vas retomber. Romains chapitre 12, verset 2. Renouvelez votre intelligence. Chaque jour. Vous méritez la prospérité. Vous méritez la prospérité. Moi, j'aime moi parler en termes simples. J'aime pas les choses qui sont compliquées. J'aime moi parler simple, simple. Parce que dans les simples, il y a des gens qui sont venus m'écouter ici. Ils sont partis créer les choses qui leur donnent des milliers d'euros ou de dollars. Mais pour d'autres, c'est un peu comme si c'était le jeu. Et j'ai bien dit, quand vous allez commencer, ils vont venir pour vous critiquer. Pour vous montrer que tu aurais pu faire comme ça. Tu devais plutôt faire comme ça. Tu devais plutôt partir là-bas. Quand vous avez commencé, Dieu vous a donné une vision. Qui doit donner la dîme? Changi. Je ne sais pas si, si c'est les gens qui ils ont eu mes idées, ils ont pris les idées ici, ils sont allés faire les business. S'ils ne payent pas la dîme, est-ce que Dieu court? Dieu ne fait pas la course avec quelqu'un. Si je vous convainc que venez payer la dîme chez moi, vous n'êtes pas convaincu. Quand j'enseigne sur la dîme, le 1er octobre, je vais encore enseigner dessus. Les offrandes et la dîme. Chaque premier, je suis enseigné là-dessus. Un témoin de témoignage. Je me rappelle, il y a une dame qui a témoigné l'autre jour. Ça fait 5 semaines qu'elle est connectée à ce que je fais. Je crois 2, 3 semaines après, elle a lancé son activité. Et là, elle me disait qu'elle a eu ses 2 premiers clients de coaching, 1 ou 2 clients de coaching. Dès qu'elle a lancé comme ça, là, les clients sont venus. En fait, elle n'arrivait pas à croire. Bonsoir à la reine Akona. Elle a posté déjà, waouh. Il y a des principes. Mais en même temps, si vous voulez faire celui qui est sage. Moi, je ne peux même plus forcer quelqu'un. Tu vas sentir ça que dans ton corps. Tu vas rester au salaire. Quelqu'un va rester dans ton magasin, il va porter ton argent, partir avec. Souvent, il m'appelle, oh, ma reine, ce que je fais ne marche pas. Il dit, tu payes ta dîme. Parce que quand ça a donné, tu as fui. Tu as voulu payer la dîme. Oh, l'affaire là, c'est la résistance. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas le sprint. La résistance. J'ai un de mes petits comme ça. Quand je lui ai donné, il est venu me voir, oh, j'ai besoin d'argent pour faire un petit plan, un petit truc. Il me dit, ok, quand je vais lancer, je vais revenir. Dès qu'il est parti comme ça, c'était hasta la vista. Un mois plus tard, il m'appelle, problème, oh, aide-moi. La Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts et ils feront des exploits. L'argent que vous avez actuellement, hein, ce n'est même pas le 1 centième de ce que Dieu veut vous donner. Quand parfois il veut un peu hésiter comme ça, là, il dit non, si Dieu arrête de me donner, ce que j'ai là ne va même pas tenir 1 mois, ça va finir. Pourquoi est-ce que je veux dire qu'il veut faire comme si... Et ça te protège. Ça apporte encore l'autre. Oui, Valérie bénit. Il y a dîme, il y a offrande, il y a autel, semences, action de grâce. J'ai un ami qui a voyagé. Dès qu'il a atterri dans le pays où il partait, on l'a mis en quarantaine. Il a failli mourir parce que c'est comme si quand un type te met dans l'hôpital, il te donne, je ne sais pas quel médicament on te donne pour la maladie là. Sa situation empirait seulement. Quand il est revenu, il m'a appelé, je lui ai dit, tu sais quoi, va à l'église dimanche, tu fais action de grâce, fais une offrande, tu dis merci à Dieu de t'avoir sorti de là. Quelqu'un m'a dit que je suis à sauver, non, pourquoi tu veux? Action de grâce. Moi, je vois toujours que, avant de donner à Dieu, je me dis toujours, si je ne donne pas, quelles sont les conséquences? Est-ce que ce sera un peu plus pire? Supposons, la première flèche qui est venue, qui voulait me tuer là, ça me rate. Je ne fais pas l'action de grâce pour dire merci parce que tu m'as enlevé du trou là où j'étais, Seigneur. La personne renvoie la flèche. Tu pars à l'hôpital, tu dépenses même 2 millions. Examen, on ne voit rien. On t'évacue, on part dans les hôpitaux, on ne voit rien. Il faisait l'action de grâce de 10 000 ou de 50 000 ou de 100 000. Compare aux 2 millions. Tu vois qu'il n'y a pas photo. C'est pour ça que ce que Dieu nous demande, c'est rien. Et c'est aussi l'une des bases pour les gens qui veulent faire leurs choses. Ok, je veux suivre ma mission de vie. Le Cameroun a les dents. Tu rencontres les décepticons, les sorciers partout. Ils sont partout. Tel ami, il est compliqué. Telle personne, donc, partout. Et ceux qui veulent même te tuer, donc si tu le genre que tu dis, ah. C'est pour ça qu'elle n'écoutez pas les histoires que vous voyez en ligne, vous venez vous dire qu'il oh, est parti au pays, il a fait 2 semaines, il est mort. Son cas n'est pas ton cas. Il est parti, il faisait sa vie. Il faisait la vie. Toi, tu es conduite par l'esprit. Tu es une appelée, une choisie. Peut-être le soir du jour où on l'a tué, là, Dieu a dit qu'on ne sort pas demain. Il s'est levé le matin, ah ouais, allons-y. Il arrive là-bas, Dieu ne peut rien. C'est ce qui se passe quand tu marches avec Dieu. Hein. C'est que même s'il y a un endroit où tu devais partir, ça allait être néfaste pour toi. Une tante t'invite, viens manger. Ouais, c'est ma tata préférée, non. Quand tu te lèves pour partir, la diarrhée te prend, tu pars aux toilettes. Après, tu te lèves pour partir, ton téléphone se gâte. À un moment, tu es dans ça là. Le Seigneur te dit ne pars pas. Tu t'assois. Tu dors même où tu vois la télé. Le lendemain, ton vol est là, tu prends le vol, tu pars. Il y a une comme ça, elle est rentrée avec le poulet. Elle m'a dit, elle me donnait son témoignage de toujours. Elle est rentrée avec le poulet fumé qu'un de ses cousins lui a donné. Donc son ami a vu à l'aéroport, elle a pris, l'a mangé. Maman, c'était empoisonné. Il la contacte dès le lendemain, il dit que pardon maman, que le poulet, pardon, jette ses mantoufles. Et j'ai failli mourir. Si on ne dépêchait pas l'antipoison sur moi, là, je mourrais. Parfois, vous ne connaissez pas comment Dieu vous a protégé. Moi, il parle, moi, seulement mes choses comme ça. Parfois, il me met dans le ticket, je parle, seulement, il parle. C'est vrai que quand les gens qui critiquent vont venir dire, oh, il faut que tu fasses les trucs où tu parles. Je dis non. Moi, quand il me met là, je dis ce que l'esprit me dit de dire. Parce que c'est que c'est en train de toucher. Il y a peut-être une personne parmi vous, tu considères même partie au pays depuis. C'est que quand je parle, parfois après les gens me disent que waouh, quand tu as dit comme ça, c'était vraiment moi. Hier, j'ai eu telle situation, j'avais telle question. Parfois tu as des questions, tu ne connais pas, tu vas aller sur YouTube, tu vas taper. Comment faire ceci, tu ne trouves pas la réponse. Tu ne sais pas à qui demander. Et ce genre de question que tu vas demander à ton pasteur, tu vas faire comment? Oh, il m'a dragué. Pasteur, on a accouché 3 fois. Tu vas dire à ton pasteur que tu as accouché avec ton gars. Le pasteur t'a dit de ne pas forniquer. Ouais, Seigneur. Il y a une dame, je l'ai consultée, ça fait peut-être 6 jours. Après la consultation, je lui ai dit, tu dois faire ça et ça. Elle est partie. Elle ne me recontacte pas après. Elle me contacte, elle me dit, oui, check plutôt pour telle chose. Il y en a parfois qui me contactent et que regarde telle personne. Je ne regarde pas. Parce que l'esprit ne me conduit pas là-bas. Parce qu'il y a d'abord un truc que tu as dit de faire, tu n'as pas fait. Tout pour toi, c'est il faut qu'on regarde telle personne. Est-ce que c'est vraiment mon gars? Dis-moi, est-ce que c'est vraiment mon gars? Dieu veut d'abord que toi-même, la tu nettoies ta part. Dis-moi, si je le fais venir ici, là, si je l'épouse, est-ce qu'il va me décevoir? De lui donner un travail à faire, n'a pas fait. Une personne t'a abandonné en 2019 au pays, à la veille de ton retour. Voilà. Elle t'appelle plus. Celui qu'elle croit que tu es une sorcière. Ouais. Souvent, elle me dit que si Dieu pouvait vous montrer les choses dont il vous a protégé. Donc la jeune fille me contacte. Elle me dit, j'étais très occupée, j'ai parti à un événement, j'ai fait ça, ça, je travaillais. Hier, je ne me sentais pas bien. Ce matin, pas à l'église, on me dit que j'ai une maladie au cœur. Le Cameroun n'est pas risqué, Thomas. Absolument pas. Il n'aime même pas qu'on dise ça. Au Cameroun, tu dois marcher avec l'Esprit de Dieu. Bonsoir, Tatou, comment tu vas? Tu dois marcher avec l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu veux mettre ton pied comme ça sur une mauvaise direction, tu vas vraiment ton pied, il n'y aura pas le réseau sur ton pied. Tu vas tourner ta direction, tu vas rentrer chez toi. Tu vois les gens qui vivent au Cameroun font comment? Le Cameroun c'est un pays, les gens vivent ici. Parce que souvent quand vous avez un Bengla, vous pensez qu'au Cameroun, dès qu'on... Non. On vit au Cameroun. Et parfois Dieu vous donne des choses à faire, vous ne le faites pas. La paresse spirituelle sur vous. Je ne peux pas réveiller 50 personnes. Je ne peux pas réveiller 100 personnes. À un moment, toi-même, tu dois te lever pour faire ta chose. Si tu ne te lèves pas, et c'est qu'il y en a qui attendent que je les appelle tous les jours. Je ne vous appellerai pas tous les jours. Chaque jour, j'ai au moins 5 nouvelles personnes, donc À part les gens qui m'écrivent comme ça au hasard, au moins c'est une nouvelle personne qui vient. Ouais, dis-moi ça. Une m'appelle même aujourd'hui encore. Elle me dit, elle est au bord du suicide. Elle est désemparée. Elle est ceci, elle est cela. J'ai dû décaler mes rendez-vous pour parler avec elle. Donc, je peux pas. Si le diable vous poursuit, même en Europe, parce que quand on va t'empoisonner, tu vas mourir. Quand moi j'ai compris en fait qu'on n'est pas à l'abri quelque part, ça m'a juste donné le boost, ça m'a boosté. Il y a des décepticons en Europe. Mais c'est vrai qu'ils sont bien habillés. Ils parlent le gros français parfois. Parfois ils ont le passeport Bordeaux. Ce que Dieu a mis en vous là, décidez-vous, ça doit sortir. Donc ce qu'il m'a dit que je devais faire là, s'il avait dit que je commence à mettre le premier papin, que voilà je conçus l'orphelinat que tu m'avais dit là Seigneur. La consécration est importante oui. J'ai mis la première brique. Je vais construire. Tu vois, au moins, l'argent va venir. L'argent va venir. L'argent va venir. Thomas, il était dit, je vais te bloquer, moi. Je t'ai dit, moi. J'ai la main très facile. Il n'aime pas qu'il fasse mon direct, quelqu'un il fait un peu comme si. Je n'aime pas. Toi, tu viens comme tu viens là. Je ne crois pas que ce qu'il dit là, ça t'aide. Parce qu'elle va te commenter, c'est tous les gens qui commentaient que tu n'as pas besoin de ce que je t'ai dit là. Parce que ta tête est fixée sur ce que tu veux faire. Et moi, je n'aime pas ça. Il y a des personnes ici là, vous êtes appelés à faire certaines choses. Vous avez même commencé. Certains ont pris l'argent de vos projets, ils ont tout mangé. Et quand ils ont mangé comme ça, ça vous a découragé. Parce que ça vous a, ils ont trahi, ils vous ont abusé de votre confiance. Et vous avez un goût amer dans la bouche. Donc, quand on parle de ça comme ça, là, vous ne voulez même plus. Amen. Merci la reine Liliane. Et je le dis encore, je le dis toujours. Il y a des associations, des orphelinats, des hôpitaux. C'est dans vos cœurs. Vous allez me regarder. Quand ils parlent, là, ça revient dans votre esprit. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Mais sachez que ce ne sera pas... Les finances qui vont faire la chose là, ce ne sera pas vous, ce sera Dieu. La reine Tchana, tu es comme les anciennes directes. Je dis toujours que ce que Dieu a mis dans ma bouche en 2016 et 2021, ça n'a pas changé. C'est la même chose. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Découvre pourquoi tu es encore sur la terre. Aie confiance que c'est lui qui va financer. L'hôpital là, c'est Dieu qui va financer. Les pharmacies que tu veux faire dans les villes du Cameroun, la Cameroun là, c'est Dieu qui va financer. Et quand ça va se passer, c'est vraiment parce que tu n'avais pas la foi, tu es venu au Cameroun. Tu as dit, ok, je vais acheter un terrain d'abord, ce sera la première pharmacie, je vais faire ça là-bas. Non, la dîme ne se donne pas dans les orphelinats. Tu donnes ta dîme là où tu es, là où tu reçois tes enseignements spirituels, ce qui te fortifie spirituellement. C'est là-bas que tu donnes ta dîme. Ne prends pas ta dîme, tu divises en 5, tu dis qu'elle donne en 5 orphelinats. Quand tu as besoin de prière ou bien quand tu veux savoir ta mission de vie. Comme par exemple là, il y a des gens que quand vous êtes venus sur ma page, ce que je dis a tellement fortifié votre esprit. Si bien que j'ai des gens souvent qui me contactent en journée, souvent, ils me disent que donne le lien, je vais. Certains vont en ligne, ils payent même sans que je les regarde. Parce que c'est entre vous et Dieu. C'est vous qui connaissez ce que quand je dis là, comment ça se transforme dans votre cœur. Il y en a parmi vous, vous avez abandonné vos rêves. Vous avez tout abandonné. Donc, quand vous êtes là, vous aviez tout laissé. Tu es seulement l'épave de toi. Depuis 4 semaines là, comme ça, tu es en train de revenir. Tu es en train de revenir. Et je vous dis toujours que ce n'est que le début. Mon message n'est pas pour tout le monde. Les choisis ne sont pas nombreux là-dehors. Souvent, quand j'ai quelqu'un qui vit, comment me dit, oh, tu fais trop comme ça, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je dis oui, merci. Parfois, dans ma tête, je dis que je vais faire comme ça. Dès que je me mets devant la caméra, là, c'est fini. C'est de se dire que dis comme ça. Prends tel passage, parle comme ça. Dis comme ça. Parce que si je cherchais les vues et les likes, c'est que je suis planté de faire ce qu'il fait. C'est qu'il faut mettre du contenu qui va vous émerveiller, qui va vous... Vous allez rire, c'est qu'il fait des comédies. Tu vas finir de rire de la comédie. Tu vas te coucher la nuit, tu vas rêver, tu vas te montrer comment tu es en train de construire la maison, tu es en train de parler, donner à manger aux enfants. Après tu vas te dire, ouais, je fais comment, Seigneur? Que tu as peur jusqu'à... Ça fait 2 ans que je suis venue au Cameroun. J'avais fait 13 ans en Europe. 13. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que je parle trop de moi dans mes vidéos. Et toujours qu'ils ont vaincu par le témoignage. Je suis une fille simple de Tungan. Je suis une petite fille de Tungan. Tunganville. Quand j'étais dans mon village l'autre jour, je vous ai fait le direct, vous avez vu l'eau de chez nous. Je suis fille de Tungan. Et je dis toujours qu'elle serait devant Oprah Winfrey. Je vais lui dire, Oprah, you know what? I used to tell people that I will meet you one day. Que Oprah, je disais toujours aux gens qui veulent te parler un jour. On disait que je ne parle vraiment. Je suis une petite fille qui vient de Tonga. Tout ce que je sais, c'est que j'obéis. Quand elle prend parfois les enfants, au centre, parfois, j'ai 60 enfants en même temps. 60 personnalités différentes. 60 missions de vie différentes. Django, bon, merci. Merci l'alpha. Et je dois avoir confiance au discernement que Dieu me donne. Qui fera que je comprenne chacun de ses enfants. Et chaque année, je forme un lien avec ses enfants. Et je leur dis toujours que dans 20 ans, je viendrai dans votre empire. Vous allez tirer le tiroir du bas comme ça, là. Vous allez sortir le cahier de vision. Vous allez me dire, madame, voici là où ça avait commencé. Parce que je connais ce que Dieu m'a dit de faire. Je me rappelle encore en particulier, quand je parle comme ça, je me rappelle de ce petit gars, de petit, pas petit, il a 16 ans. Son oncle l'a amené, donc je sens que son oncle s'est débarrassé de lui. Il me l'amène, il me dépose. Le jour où l'oncle vient avec lui, il passe s'asseoir, il se fait l'appeler Eb. Eb passe s'asseoir là-bas derrière. Il regarde. On faisait l'atelier de lecture. Il regarde. Je ne vais pas m'asseoir à côté de l'eau avec son oncle. Son oncle commence à me dire, maman, son père l'a abandonné depuis qu'il a 4 ans. Il a 16 ans aujourd'hui. Je travaille beaucoup, donc il est à la maison seul. Il fait donc, quand il rentre, il me voit seulement comme ça, mais il vit seul comme tu le vois là. Bon voilà, il ne réfléchit pas bien, il ne parle pas bien. Quand il m'a parlé, je croyais que c'était un enfant, le Jacques. Je lui ai dit que monsieur, ne vous en faites pas, je l'accueille ici. Et je crois que le lendemain, on avait la séance des câlins. Maman, la première fois que j'ai câliné le gars là, il l'a fui. Hey! Il vous a... Il ne voulait pas, il vous a... J'ai passé 5 minutes sur lui. Parce que les câlins dissolvent les insécurités des enfants. Et les vrais câlins, pas les tapotements là, non. Je le prends dans mes bras comme ça. Il fait comme ça là. Et quand tu vois son visage derrière, il est comme ça là. Pour lui, c'est bizarre. Sa mère l'a abandonné, son père l'a abandonné. Une semaine plus tard, il a fait 3 semaines dans mon centre. Une semaine plus tard, tu arrives, il arrive le matin, il arrive, tu vois, à l'heure. Parce que quand l'enfant venait à l'heure, je lui donnais 50. Quand il venait en retard, il me donnait 100 francs. Il arrive à l'heure. Dès qu'il arrive, il vient vers moi avec ses bras ouverts comme ça, il me fait le câlin. Il l'aide à nettoyer. En fait, quand le monsieur m'a laissé avec lui le lendemain, je vois tous les enfants, je dois courir derrière eux, balayer, faites comme ça parce que je n'emploie pas les gens pour qu'on est au centre. Tous les enfants doivent participer. Et je vois qu'elle a fait tout. Elle balaye, elle vient m'assister. Il dit, tu as besoin de quelque chose. J'ai dit, mince, l'enfant c'est brillant comme ça. Il faut voir comment son oncle parle de lui. Je dis, waouh. Et les compliments. Waouh, c'est très... Oh, waouh, je suis fière de toi, M. Quand on lui fait un truc, il dit, madame, regarde, on a fait comme ça, on m'a fait comme ça. Quand on clôturait, quand j'ai fini avec les enfants, là, cette semaine, si les enfants, là, me manquent vraiment. Et je suis sûre que je leur manque aussi. Donc, ce que je fais, j'ai enregistré des vidéos que je vais envoyer à chaque enfant. Ils m'ont regardé ça. Chacun a son appel. Et... je vous raconte mon histoire comme ça pour que vous compreniez juste que je suis juste une petite fille. Parfois quand quelqu'un arrive à mon centre comme ça, on me voit, je suis toute petite comme ça, là, quand on me voyait les cheveux que j'avais là, on dit que c'est toi la directrice. Il dit oui. On me regarde ça là. Souvent il y a des gens qui, en me laissant l'enfant, ils disent que je ne suis pas sûre que je... Ils disent que laissez-moi l'enfant, ne vous dérangez pas. Après, tu vois une femme vient témoigner, elle dit que vraiment ma fille, avant qu'elle vienne, c'était désordonnée. Il y a une là, qu'elle est arrivée en retard un jour, elle a pleuré jusqu'à. Elle dit que madame, je me suis réveillée tôt. On est arrivé en route, là, ma petite soeur a mis son pied dans la boue. Mais on est rentré encore pour changer, c'est pour ça que je suis arrivée en retard. Je lui ai dit que ne te décourage pas. Le lendemain, elle met son réveil, elle se lève, elle dresse son lit. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça fait dans la tête d'un enfant. Et je mets la volonté dans l'enfant de pouvoir se lever tôt, d'obéir. Je ne te force pas, mais je mets la volonté en toi. Chacun d'entre vous, vous avez votre appel. Vous avez les choses que vous censez faire. Donc, pendant l'année scolaire, je travaille avec les ados généralement. Les ados, vraiment, c'est plus, je travaille confiance en soi, comment est-ce qu'ils se voient. On parle aussi de l'aspect sexuel. Quand ils ont, la puberté commence, 12 ans et tout ça, les seins commencent, à l'école on commence, donc je les amène à parler. Parce que parfois, ils ne nous parlent pas à la maison. Vous ne voyez pas parce que je suis ici, là, je parle avant des missions de vie. Je suis beaucoup de petites choses que je fais. Tu es animatrice de jeunesse et... j'aime beaucoup travailler avec les enfants, c'est mon rayon de soleil en fait. Et je leur parle d'argent. Il y a le jour où j'arrive comme ça, je leur donne les billets de 10 000 chacun. Ils touchent l'argent, parce que pour certains c'est la première fois qu'ils touchent le billet de 10 000. Et parce que les parents ont l'argent mais ils ne donnent pas, l'enfant ne voit pas l'argent. L'enfant ne voit pas l'argent, donc il grandit, il n'est pas proche de l'argent, il ne connaît pas l'argent. Je leur montre aussi les enfants à l'étranger qui ont à monter leur propre business. Je leur parle du système capitaliste des Américains. Mais les vidéos, ils regardent aussi comment est-ce qu'on peut partir d'une idée pour créer une activité qui va donner de l'argent. Ils font aussi le théâtre, font de l'oratoire pour apprendre à s'exprimer, parler devant les gens, à exprimer leurs idées, leurs opinions. Et en fait, le père de ma fille m'a dit que quand il m'a connue, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Parfois, je prenais les enfants des gens au quartier, je les amenais chez nous. Il dit qu'il était toujours en train de prendre les enfants des gens. Et moi, j'avais zappé ça totalement. Genre, C'est plus tard, à 30, combien d'années là? J'ai commencé ça avec 31 ans. Quand Dieu me révèle que tu es censé travailler avec les enfants, c'est là que je me rends compte que c'est depuis en moi. Donc quand je vois un enfant, je suis convaincue que l'enfant là peut faire de bonnes choses, qu'il peut obéir. Je suis convaincue qu'il peut... Donc très tôt, il peut connaître sa mission de vie. Vos enfants connaissent leur mission de vie. Vous ne connaissez pas, vos enfants connaissent eux. Oh, tu as exercé pendant 10 ans. Ok. Vos enfants connaissent leur mission de vie. Mais aussi beaucoup de parents, vous frustrez vos enfants. Vous les frustrez beaucoup. J'ai une petite avec laquelle j'ai parlé, ça fait 2 semaines. Oh. Elle avait l'appareil dentaire, mais elle avait un sourire. Et quand sa maman parlait d'elle, maman dit vraiment, parfois elle fait mon conseil, elle est folle. Moi, vraiment, l'enfant, c'est... Quand elle vient devant l'appareil, je lui fais d'abord un sourire. Je suis sûre que si c'est une amie de maman qui veut me parler, je suis sûre qu'elle va vouloir me gronder. Elle arrive d'abord, je lui fais le sourire. Elle parlait dans une autre langue, donc c'était pas l'anglais, c'était pas le français, donc sa mère devait traduire. Elle sourit. Je lui dis, tu as un joli sourire. Elle dit, non, tu mens, tu mens. Et je me suis rendu compte que sa mère attendait tellement d'elle, était tellement exigeante sur elle, que il y a des petites choses de base que sa mère ne voyait pas. Vraiment. Les enfants font beaucoup de choses merveilleuses, ça c'est vrai. Donc, je vous parle comme ça pour que vous puissiez comprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ma mission de vie. Je vois toujours ce qui me touche, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur que je veux changer. Et en dépit des critiques, en dépit de ce que qui que ce soit veut dire, je ne change pas. Je ne change pas. Je fais. J'ai eu des gens qui sont venus parfois au centre, ils ont voulu me critiquer. J'ai eu des professeurs qui sont venus, ils ont voulu me montrer que... Je te dis que non, non, c'est pas toi qui m'as appelé. Tu ne peux pas détruire ce que je suis en train de faire. Tu n'as pas le pouvoir. Quand vous êtes dans votre mission... Et la foi que c'est que Dieu qui peut vous amener et qui peut vous descendre encore. Et comme Dieu ne peut pas vous descendre, parce que ce n'est pas son business là-bas, Dieu ne détruit pas les choses, il construit les choses. Ça veut dire que personne ne peut vous faire descendre. Imaginez un peu, si vous croyez ça une minute, comment vos actions seraient différentes. Si je commence tel business en ligne, ça va marcher parce que Dieu est avec moi. Tu lances, tu lances, tu lances, tu fais. Voilà. Mon message tire à sa fin. Je remercie le Seigneur de vous avoir parlé à travers moi, de vous avoir apporté des réponses à vos questions qui n'étaient même pas exprimées. Je demande qui vous parle pendant cette nuit. Que ce soit clair pour ceux qui désirent vraiment connaître leur mission de vie. Pas seulement qui vous révèle votre mission, mais qui vous donne les outils, qui vous donne les mentors dont vous avez besoin, qui vous donne les vidéos, qui vous met devant les programmes qui vont vous aider. Et surtout que vous ayez la foi et le courage. S'il vous plaît, partagez la vidéo si ça va aider quelqu'un. Amen, ma reine Valérie. Amen. Partagez ma vidéo s'il vous plaît, ça va aider quelqu'un. Abonnez-vous sur ma page Instagram. Il y aura les soirs, je vais faire le direct sur Instagram. Celui qui n'est pas sur Instagram, je sais qu'il y a les mères qui vous fuient Instagram, vous avez peur. Bonsoir le roi Franck. Il faut partir sur Instagram, Ghislaine. J'ai besoin des followers sur Instagram. Téléchargez Instagram, vous apprenez à utiliser Instagram. Ouais. J'ai Instagram depuis même 2016. Il y a les gens ici. Amen. Mon regard est vrai. Amen, désiré. Okay. Que la paix soit sur vous. Que le Seigneur vous guide. Qu'il vous donne les idées. Et que ces idées soient reçues par vous 100%. Je déclare que le message qu'il vous donne ne sera pas erroné, il ne sera pas brouillé. Ce sera clair. Ce sera clair. Voilà mon nom sur Instagram. Je viens contre la confusion. Toute personne qui a voulu imiter une autre personne. Que le Seigneur vous aide à être authentique. Que vous apportiez votre touche personnelle. Et aussi que votre beauté puisse radier et illuminer les réseaux sociaux. Don't stop the light. N'arrêtez pas votre lumière. Ok. Passez une très, 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 très belle soirée.